Mais restons dans le département du manque de jugement conservateur. Au lieu de s'occuper de la sécurité de nos collectivités, le ministre de la Sécurité publique préfère plutôt perdre son temps à l'Agence des services frontaliers en la faisant jouer à la télé-réalité pour une troisième saison consécutive. Et ce, contre la recommandation écrite du président Luc Portelance. Les agents du service frontalier, M. le Président, font un travail sérieux et dangereux. Ce n'est pas du divertissement. Quand est-ce que le ministre va enfin écouter les agents des services frontaliers et les laisser faire leur travail? Bravo. Madame la ministre de la Sécurité publique. Monsieur le Président, je partage le point de vue de ma collègue que les agents de services frontaliers font un travail sérieux, un travail qui est important, Monsieur le Président, pour préserver l'intégration de notre système d'immigration. Alors, effectivement, ils participent à la troisième saison de l'émission qui attire près de 11 millions de spectateurs par année. Et elle permet de montrer à la population canadienne le travail remarquable qui est fait par les agents de services frontaliers dans l'application de nos lois pour faire en sorte que les gens qui viennent au pays soient bien reçus et ceux qui n'ont pas droit soient retournés de façon adéquate. Merci.